gagne l'année suivante l'Allemagne, où il reçoit pour quelques mois une bourse de la ville de Berlin. Puis durant 3 ans, il vivra à Mannheim, semi-clandestinement, sans titre ou autorisation de séjour. J'ai 7 fois refusé de devenir le membre du Parti communiste. 7 fois. Et rien ne s'est passé, aucune répression. Mais après un temps, s'est passée la question avec la sécurité, qui a été beaucoup plus dure. D'accord. Si tu veux partir à l'étranger, donne-nous des renseignements. Oui, donne-nous des renseignements. Et ça a été terrible, car il m'a mis de faire le radio très fort, pour que les autres n'écoutent pas, n'entendent pas ce qu'on parle ici. Et ça a duré des heures, il m'a questionné. Il m'a demandé, ce serait bien peut-être, si vous voulez nous aider, collaborer avec nous, etc. etc. Je lui ai dit, monsieur, mais je suis un artiste, je ne peux pas faire ça, car ça peut compromettre un homme. C'est passé, j'ai eu l'impression plusieurs fois, que j'ai été ici un peu poursuivi par la sécurité. Ici en Allemagne? Oui, en Allemagne, mais surtout en France, avec l'éco-effort à Avignon. Dans l'éco-effort, opéra mais aussi théâtre musical, le tromboniste prend le rôle du coryphée. Dans une des scènes charnières de l'œuvre, il commente à sa manière la mort d'Egiste. Aurel Strohé avait intitulé cette scène « La mort du tyran ». Lors de la création à Bucarest, en 1978, les autorités de l'époque avaient fait pression pour que le titre de cette scène soit supprimé dans le programme du concert, ce qui constituait déjà un demi-aveu d'une possible association entre le tyran de Mycène et celui des Carpates. Le public, non dupe, à la fin de cette scène, s'est mis spontanément à applaudir. Populare din București, considerând aceasta ca o au moment où j'ai écrit l'éco-effort, ma situation en Roumanie est devenue de plus en plus difficile. J'ai dû démissionner du conservatoire de musique et en 1985, j'ai quitté la Roumanie. Ça a été un désastre pour moi, ma famille s'est cassée à ce moment-là. En 1985, il a été invité comme visiting professeur en Amérique, à Illinois, pour une année. Et à moi, on ne m'a pas permis de l'accompagner. On est venu, m'ont pris le passeport et j'ai eu interdiction de quitter le pays. Parce que déjà, il se méfiait de... il se méfiait de nous, de Aurel, oui. Et puis, après une année, il s'est établi en Europe, à Mannheim. Et alors, on me fait beaucoup d'ennuis.
fait une perquisition à la maison. On m'a menacé de me prendre la maison de Bouchetin. On ne m'a pas permis d'aller nulle part. Je savais que là-bas il travaillait, qu'il peut travailler, qu'il n'a pas d'ennui avec le régime. Pourquoi avoir choisi ce choral d'Antonio Lotti? J'ai été frappé pendant mon adolescence par ce fragment qui se trouvait dans mon livre de contrepoint comme exemple pour un chœur à 8 voix. C'était 8 voix imitatives et puis 2 chœurs, 4 et 4 voix. C'était 2 chapitres tout à fait distincts. Et ce crescendo unique, sans interruption, non pas d'à presque une demi-minute, de ce crucifixus, non? Ça m'a frappé tellement qu'après des années, j'ai eu besoin de le mettre quelque part dans une œuvre à main. Mandala signifiait d'abord cercle. Au centre du cercle, il y avait encore un cercle plus petit qui signifiait ou symbolisait, si tu veux, la divinité. J'ai mis au lieu de la divinité ce texte de Lotti, ce compositeur vénitien d'environ 1700, puis l'idée de symétrie, droite, gauche, haut, bas, etc., s'est répandue dans toutes ces représentations de l'univers, car c'est l'univers qui est représenté par le mandala. Naturellement, c'est une représentation symbolique, elle aussi. C'est à cause de ça que je n'appellerai pas une musique sacrée, cette musique, mais c'est de toute façon une musique qui a une atmosphère qui ne renie pas le sacre. L'enjeu extrême de cette œuvre est d'avoir souhaité organiser autour du choral de Lotti
deux parties de 20 minutes, dont la deuxième est l'exact renversement de la première. Ce renversement va concerner tous les paramètres du son. Appliqué au langage parlé, c'est comme s'il s'agissait d'inverser non seulement l'ordre des mots, mais également l'ordre de toutes les lettres. Ici, même l'existence de la matière sonore, non, le son même, doit être ou devrait être renversé. J'ai réussi ça environ 70% de la partition, mais il y a aussi des moments où je l'ai raté, j'ai dû renoncer car c'était impossible. Er wollte auch die Klänge umkehren.